Bonjour, c'est difficile de résumer tout ça parce qu'il y a, il y a plus d'une centaine de post-it par feuille. Mais bon, on va faire une synthèse approximative, sachant qu'il y a certainement plein de bonnes idées qu'on a envie et qu'on va mettre en valeur là maintenant en si peu de temps. Mais on vous les enverra parce qu'on va toutes les écrire et les mettre dans un document commun. Pour vous les ayez toutes et que vous puissiez voir si c'est dans l'un et dans l'autre. On a commencé la dynamique de ce matin en imaginant comment, sans trop réfléchir, qu'est-ce qu'on associe à l'idée de village, au mot village, et qu'est-ce qu'il y avait autour de ce mot. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'importance des personnes. Alors, des personnes qui sont accompagnées, ou des personnes qui peuvent être isolées, mais surtout, celle qui a eu beaucoup, qui a pris beaucoup de maturité, c'est cette idée d'amitié, de famille, d'entourage, de personnes qui sont ensemble et qui ont envie de faire des choses ensemble. Et on s'est touché à cette idée que, finalement, il y a des espaces publics, il y a des espaces publics comme les parcs, les frontons, mais il y a surtout des moments publics. Ça, la rotation, c'est de dire finalement ces espaces publics souvent ils disparaissent, c'est une réalité, des bars qui se ferment, etc. Mais ces moments publics, ils existent, ils disparaissent aussi de plus en plus et il faudrait en créer d'autres, des nouveaux. Et sous ces moments publics, on peut aussi imaginer dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelques autres formes de donner de la vie dans les villes. Donc voilà, donc on a commencé par ces personnes-là, et en commençant par ces personnes et en imaginant d'autres et en ayant deux identités par participant, comme dans l'autre groupe, et bien on a commencé à travailler sur différents thèmes. Le premier, c'était le thème de l'économie. Et alors là, on est parti un peu dans tous les sens, et avec des thèmes qui sont revenus, qui sont devenus récurrents dans d'autres thèmes forts, par exemple le rôle de l'éducation, de comment l'économie intervient à différents moments et comment c'est un moment clé de l'éducation et comment on peut partir de là. Il y a aussi l'idée de mutualisation, Richard en a parlé ce matin, l'idée des tiers-lieux, le rôle de l'ECHCO, c'est le tiers pourquoi, comment on peut imaginer ce futur où l'ECHCO pourrait devenir un élément clé, un outil clé, qui pourrait, non seulement, en plus de participer à l'économie, pourrait aussi. Voilà. Il y a trop de sous-marins. Donc je reprends. Donc on était avec l'idée de l'ECHCO et on s'est dit dans notre groupe que cet ECHCO dans le futur pourrait devenir de plus en plus fort et permettre, pourquoi pas, d'aider ou
d'avoir des aides pour toutes ces personnes qui ont envie de travailler et qui ne peuvent pas dans leur moment de lancement. Donc soutenir pourquoi pas les personnes défavorisées dans le lancement de nouveaux projets. On a parlé des coopératives et puis après nous sommes partis sur l'agriculture. Et alors là, on s'est posé plein de questions. Par exemple, est-ce que ça serait possible dans le futur de nourrir les villes? Est-ce que ça serait possible de manger tous local? Ou est-ce que ça serait possible de manger tous bio? On est parti dans plusieurs pistes comme ça, en se disant, donc certains disaient que c'était possible, d'autres disaient que non. Et à partir de là, on est parti sur dire, bon, alors on va imaginer que tout ça, c'est possible, et on va penser à ces valeurs qu'on veut défendre dans le futur. Et là, encore une fois, on a parlé d'éducation, on a parlé de communication, et de créer une nouvelle image, une nouvelle communication, une nouvelle image de l'agriculture. Et aussi penser sur des nouvelles formes d'acheter, d'aller encore plus directement vers les consommateurs. Donc on reprend ça sur l'absence de ces espaces publics qui disparaissent, tu vois, les espaces publics ou privés de rencontres comme les bars ou les marchés. On disait que les marchés baissaient, il y en a de moins en moins. Alors pourquoi pas pourquoi pas réaliser ça et trouver de nouvelles formes d'achat et de consommation. Et l'idée aussi de la communication de l'image, c'était de donner envie. Et se donner envie, ça a suivi dans tous les termes. Donner envie d'entreprendre, donner envie de se lancer, de créer un réseau, donner envie de se déplacer de la ville à la campagne, etc. Et donner donner envie aussi à la campagne et à la ville. On est parti sur le thème des entreprises avec aussi des idées, des images comme ça, des images de futurisation. On s'est dit, tiens, on part sur des idées et on voit. Alors, il y avait un concept de l'entreprise village. C'est-à-dire, tiens, s'il y a des entreprises qui ont 200 employés, c'est des tailles de village. Alors, qu'est-ce que ça serait si ces entreprises-là, au lieu de se penser juste en entreprise, se penseraient plus en concept de village avec des services associés, des choses qui puissent. Et puis donc sur l'entreprise, on attendait d'accepter le risque, d'avoir moins peur, de remettre aussi l'entreprise dans l'éducation, aider les jeunes à entreprendre, à les accompagner. On a parlé des microcrédits, du problème des financiations, de se lancer, comment on peut organiser ça et comment on peut compenser. Des systèmes de banque et de financiation. Et ensuite, donc je passe beaucoup de choses, mais ensuite on est parti sur le thème de la gouvernance en parlant de plusieurs niveaux, plusieurs échelles. Donc, dans tout mon thème, il y avait plusieurs échelles, une échelle beaucoup plus concrète, petite, de petites choses qu'on peut faire, une échelle beaucoup plus grande. Et sur les lieux de gouvernance, on s'est posé plein de questions, donc ça faisait sens de penser à dépenser tous ces thèmes de gouvernance. Comme on le fait aujourd'hui, on a mis en valeur cette idée de processus participatif et de travailler ensemble et que les idées viennent d'en bas plus que de. Et qu'il y ait plus de transversalité entre un thème, entre les personnes. On a parlé du rôle des mairies, du problème de certains villages où les gens. Il y a un problème de. Les élus et on a parlé aussi de village où finalement les élus sont toute une équipe et il n'y a pas un maire sinon toute une équipe qui gère le village. Donc on est parti sur cette idée de finalement de que chacun fait sa part et on a fait confiance à un mouvement des collectifs avec cette idée-là et l'idée qu'il faut qu'on repense les choses de manière différente à ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et puis on a parlé un peu du lien avec l'Urbaine, des problèmes de relations entre l'Urbaine et les villages, des points communs et des différences, et comment on peut mettre en valeur ces différences. Et donc pour terminer, on a rejoint un peu les mots du matin avec l'idée d'implication, d'avoir envie de faire ensemble.
on a partagé l'idée que on a passé une journée, on a appris et que c'était une grosse recherche de penser ce projet en global. Parce qu'on se posait la question, parce que ça a un sens de penser tout ça au niveau de, du pays, parce qu'on a aujourd'hui avec toute l'ambiance, il y a toutes les prix, tout ça, c'était pas représenté, mais cette idée de penser comme ça. Et on a tous mis en valeur le fait que, qu'on apprend autant de nos différences, que, qu'on a envie de faire ça, parce que c'est un processus qui est long. Certains ont peur de ça, de la lenteur d'un processus qui soit participatif, mais que l'idée c'est de gagner cette étincelle et de faire petit à petit des résultats qui en amènent d'autres, qui en amènent d'autres, pour se donner une espèce de boule de neige. Eta, bueno, bertan, desberdinak hartu dira, baina batetik elkarlana, auzora baita ere, bizitasuna ere komentatu da, ba, hor bertan ere, bueno, hausnartu da kurbat, iritik etorri diren parte hartzaileak, eta erritik etorri diren azteko ikuspegi desberdina, ezberdinarekiko. Eta, bertan bai aipatu da herri eta hirien kulturen arteko talka, hitza talka izan da, ez? Bazteran batzuta, ba, konfliktoak ba, talka sortzen diren, ba, kultura desberdinak. Eta hortik jarriki, gaietara joan gara, eta landu dugun denengo gai ekonomia izan da, bero laborantza, enpresa, krisotza ere, bat, denak batera landu ditugu, eta horrekorean landu beharrekoa dela ikusten da eta garrantzia handikoa herrien iraupenerako gehien bat ba, herrien bertako paisaia elikagaiak ere eta mantenua ekarriko duela duzta. Eta bertan, hausnarketa bat, edo lanketa bat egin dugu transmisioaren ingurukoa. Nola askotan, txalde edo baserri asko dauden, eta bueno, ez dagoen dasterik ba, generazio edo belamaldi aldaketa bat dago. Eta hor ere, ba, transmisio hori bultzatzeko ba, estrategiak sortzaren behar. Ekonomiarekin lotuta eta enpresei dagokienez, ba, beste baita laborantza edo lehenengo sektore bigarren edo hirugarreneko enpresei dagokienez, hemen ere ba, beste hausnarketa baten beharra eta bat ekonomiaren ereduaren barne, ba, nolako enpresak nahi ditugun gure herrietan. Eta hor, bueno, aletzek ere komentatu du, ba, herri enpresen kontzeptua. Bueno, bat, hausnarketa bat egitearen beharra eta ba, herri zerriko azterketa bat ere, ba, herrikoena eta nahiena. Beste nahi bat, aipatzekoa, elkarbizitzaren inguruan, ba, landutako hausnarketa. Bai bertan, bueno, jendeari hitza eman beharra aipatu da. Beraz ere, ba, lurralde politika berri baten beharra ba, behar dagoela komentatu da bertan, eta ba, parte hartzearen garrantzia. Nola gobernantzak parte hartzailea izan behar duen eta betik gorako. Eta hor ere, komentatu da nola aurkitzeak, ba, zuzenean hautetzi beharraren garrantzia eta ordezkariak herria ordezkatzearen garrantzia eta ez ba, ba bere partidukun kasu. Gero, gure mailan ere, hausnartu da, hiriarekin, hiria eta herriaren arteko loturaren artean, eta bertan komunikazioan garrantzia handia duela azpimarratu da. Alde batetik, ba, herriaren onurak edo herriak hiriari eman
alko ematen diona eta eman alko diotena ba, komunikatzeko, baina era egoki batean, ba, bueno, folklorearen konzeptuare nabarmen da, nola bat zan, ba, bueno, hirietan herriak ba, oso bueno, folklorearekin nahazten diren. Eta bueno, ba, komunikazio estrategiak lantzea garrantzitzatko da, gehien bat, ba, oinarri batzuetan oinarrituta dagoen komunikazio bat, eta landa gunearen balioa ondo islaratzen duen, edo balio estatu balioan jartzen duen. Hemen ere, garantizua izan da, edo beharrezkoa ikusi da, gaur izan dako foroaren horren modukoetan garrantzitsua dela hiriko jendea eta herriko jendea elkartzea eta elkarrekin hartzea edo elkarrekin definitzea ba, zeintzuk izan behar diren ba, elkarbizitza baterako oinarriak. Vale, eta bukatzeko bueno, sare kontzeptua ere landu dugu, ba, herri txikien sarea, komentatu du ere nola ba, hirien arteko lotura hori ere landu behar dela, baina garrantzitsua dela herri txikiak euren artean ba, komunikatuta erretu gantzekoa duten edo proiektu berdintzok dituzten herrien artean, nahiz eta hurbil ez egon, ba, ba, elkarlana sustatzea eta komunikazio hori edutzea. Eta sare fisikoaz gain, hori garrantzitsutako da ba, herrien arteko sare hori pertsonala izatea, baina horrez gain, interesgarria ikusten da, sare digitala. Sare teknologia berriak erabiltzea, sare hori, ba, bien bat, informazio elkarbanatu eta partekatzeko, ba, digitala izan nahiko litzateke, ez? Ba, baliabideak eta aurrezteko. Eta horrez gain, ba, ideia konkretu moduan, ba, proposatu da esperientzia interesgarrian, bai, oinarri edo prinzipio batzuk markatuta, esperientzia interesgarrien atlas bat egitea. Bueno, herri txikien artean, edo herri txikiak dituzten behar izan, edo errealitate horiei aurre egiteko. Azkotan, ba, gauza berriak pentsatzen aurrerako eta handian, ba, egun kilometrotara edo berrogeita hamar kilometrotara dugun herria, ba, gauza errealitate berdintzua dute eta gauza egitea. Eta, bueno, baita ere, atlas hori ez bakarrik gure lurraldeko, baizik eta, ba, mundu mailan egon daitezkeen, ba, beste esperientzia batzuk ere hartzen dituen. Eta, bueno, bukatzeko, lantzeko geratu zaizkigu gain bat gai, eta hortik balora zira, baina espero dute ba, ondo pasatu izana eta zuentzako ere erabilgarria izan izana zaioa.